Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, je suis avec Salut. La mascotte. Avec Enzo, c'est un ami de la mascotte. Il nous a bien aidé. Alors, je vous explique. On a ouvert une cagnotte il y a à peu près 2 jours. On l'a laissé ouverte 2 jours. On a ouvert une cagnotte exprès pour les SDF, les sans-abri. Et on a récolté pratiquement 900 euros, d'accord. On a fait 700 euros de course que vous verrez dans la vidéo. On a pris le ticket de caisse. Donc, on a pris 700 euros de course. Et le reste qu'il y avait en trop, on leur a offert des nuits d'hôtel. Voilà. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo tranquille. Regardez-la sans trop de préjugés si c'est possible. On a fait ça avec le cœur. On a fait ça parce qu'on avait envie. Et on a fait ça grâce à vous. Donc, regardez cette vidéo. Et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao. Là, on va prendre des chips. Parce que voilà, ça se conserve bien tout ça. Si on en a en trop, on donnera au Samu Social. On en prend 3 juste pour qu'ils aient un peu de gâteau, tout ça. Ça, c'est vraiment que pour leur plaisir. La bouffe pour animaux. Des sacs à dos. Parce que souvent, ils ont les sacs déchirés. Et puis, on va leur faire cadeau. On va tout mettre la nourriture dedans et on va leur donner. Ils vont garder le sac. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des sacs déchirés, usés par le temps. Donc, du coup, on va en prendre une dizaine. Plaid. Des plaids aussi. On va acheter des sacs de couchage. Des rasoirs. De la mousse à raser. Okay. Des brosses à dents. Qui dit brosse à dents dit dentifrice. Le savon, coton-tige, des désinfectants pour les mains, coussins et sacs de couchage. Voilà. Merci. Le ticket de caisse, il est de 705,47 €. Voilà. Donc on compte sur les autres dons pour les nuits d'hôtel. Bon voilà, maintenant qu'on a réuni toute la nourriture et tous les accessoires qu'on va leur distribuer, on va prendre les sacs à dos qu'on va leur donner aussi et on va leur faire des genres de colis avec, on va leur donner un sac de couchage et une couette pour l'hiver avec des coussins, tout ça. Mais en priorité, on va faire des sacs avec de la nourriture dedans et aussi de la nourriture pour chien. Voilà les gars, donc après 1h30, on a préparé tous les sacs, on a mis de la nourriture, on a mis tout ce qu'on vous a dit juste avant qu'on vous a montré. Brosse à dents, on a tout mis et là on n'y reste plus qu'à distribuer quoi, en fait. Donc là on est sur la route, on part en direction du centre-ville pour donner à tous les SDF les sacs qui sont derrière. Il y a Enzo aussi qui est caché derrière, c'est un ami à Maxime qui a voulu participer et qui avait voulu nous aider pour filmer. Donc voilà, là on part et une fois qu'on est sur place, on se filmera sur place. À tout à l'heure. Hein ? Ça va ? Et toi, ça va ou quoi, frère ? Ça va. Et toi ? On vient t'apporter un peu des trucs ? Bonjour. Do you speak English ? Speak English ? Yeah, speak English. Alors, vas-y, go. Vas-y, dis-lui. Dis-lui ce qu'il y a. Ça, c'est quoi ? Oh. This is for sleep. Yeah. Non ? Oh, wow, it's good. Very, really good. Dis-lui qu'il faut le manger pas trop dans longtemps parce que sinon. Yeah, you have to eat today or tomorrow because after is bad. Wow. Okay. This is thank you very much, man. No problem. No problem. Vous dormez dehors? Vous dormez dans la rue? Oui. De quel pays vous venez? Roumanie. Ouais. Vous voulez un sac? Vous voulez de la nourriture ou pas? Ouais. Vous avez couverture. Ouais. Regarde. Regardez, là il y a le sac à manger, à boire. Il y a à manger, à boire. Pour brosser les dents. Pour se brosser les dents. Dentifrice. Dentifrice aussi. Merci. A bientôt, bon courage. Allez, au revoir. Alors, on a un sac de couchage qui est sur mon dos. Ouais. Okay. On a un coussin. Il y a une couverture. Pour pas avoir froid. À l'intérieur, il y a 4 sandwichs. Wow. Une salade. Il y a de quoi te raser, la mousse à raser. On a fait une demande de dons, tu vois, sur internet. Ouais. Et les gens, ils ont donné pour 800 euros. Donc les 800 euros, on les a mis là. On a pris une dizaine de sacs comme celui-là. On a acheté des sacs de couchage aussi. Tiens, je te le donne. Pour ce soir, j'ai mieux à te proposer pour ce soir. Est-ce que tu veux dormir dans un hôtel? Ouais, je veux bien. T'aimerais bien dormir dans un hôtel? Ok. Il faudrait qu'on aille dans un hôtel par là. J'ai rendez-vous là, dans l'après-midi en fait. T'as rendez-vous? Là, j'ai rendez-vous avec une assistante sociale. Tu peux venir avec nous et après on te la réserve et tu retournes, non? Ça va, ouais.
Ça va. Faire comme ça, non? Ouais, nickel. Allez, vas-y. C'est gentil, merci. Voilà, bon, on va aider le jeune à dormir dans un hôtel ce soir. Esteban aussi. On est allé chercher à manger pour Esteban, tout ça pour la nuit, on est chercher la carte bleue. On est tombé sur Cyril, Florian et Nicolas. Et du coup, on va leur offrir aussi des sacs à dos avec de la nourriture, avec tout ce qu'il y a, des kits d'hygiène, tout ça. Et on va aussi leur offrir une nuit d'hôtel. Voilà. Tiens, les couvertures. Là, juste là. Un robinet. On a mangé, il y a 4 sandwichs, une salade, donc vous en avez 8. En tout, il y en a 10. Mangez-les avant demain, après demain, parce qu'après, ça va vous donner. C'est un peu con. Donc ce soir, vous dormez ici. Et... Merci. Et voilà. Ok. Au nom de tous les gens qu'on fait des dons à Anthony, je trouve ça bien. Et une conscience, et parce que la société aujourd'hui n'est pas facile. Ne croyez pas toujours que c'est de notre faute. Vous avez cru, vous l'avez aidé. Ça nous rend service, on est très contents. Merci. Merci. Bah là, en fait, ils m'ont invité dans une chambre d'hôtel. Ils m'ont payé l'hôtel. Du coup, je suis le plus heureux parce que ça fait à peu près 3 jours que j'ai pas dormi. Il y a un sale temps à Marseille, il y a du vent. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi dans un lit? Là, ça va faire presque 6 mois. 6 mois que j'ai pas dormi, que j'ai pas mangé dans une assiette. Que j'ai pas touché un oreiller, que j'ai pas regardé la télé, que j'ai pas pris de douche. Enfin, si la douche, j'en ai pris avant quand même. C'est super sympa en fait d'avoir nous avoir aidés. Kamoff, comme ça. T'as une bonne étoile aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais en plus, je l'ai mis il y a 2-3 jours. C'est un mec qui me l'a passé à la rue. Du coup, je suis grave content. Bah, c'est sympa. Hein. C'est normal. En fait, de se poser au calme, au silence, pas dans les bruits de voiture. Ça, je t'ai dit, on prend l'animation, profite-en, Max. Ouais, c'est sympa, les gars. Allez, ça va. Thank you very much. And it's good association. Came off. C'est une bonne association. Vous voulez? Tu dors dans la rue? Oui. Tiens, sac de couchage. Ok. Ça et ça c'est pour dormir. Ok. C'est bon. It's good. Merci. Chef. Bonjour. You have. You have the 4 sandwich. Soup. Soup. Yeah. 4 tits. Wash your tits. Ah ok. Monsieur, enlevez la couverture s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous parlez bien français? Très bien. Très bien. Marseillais. Allez, venez, on vous amène à l'hôtel. Venez. Allez, venez. Tu payes l'hôtel? Ouais, je vous paye l'hôtel. Oh non, on vous paye tout. Allez, venez. Je vous paye l'hôtel, je vous donne un sac de bouffe avec coussin, couverture. C'est magnifique. Comment vous appelez? Je m'appelle Kader. Kader. Kader, ça c'est le sac de couchage. Ok. Donc vous avez à manger, vous avez pour vous raser, vous avez... Tout, mais tu crois? Pardon? Je vais ni à l'hôtel, ni avec vous. C'est magnifique. Pourquoi tu veux pas venir à l'hôtel? Parce que, pourquoi faire? Pour dormir, tu vas pas dormir là-dedans? Ah, t'inquiète pas pour moi, après je vais dormir chez un collègue. Tu sais quoi? Il y aura quelqu'un qui aura plus besoin que moi. Tu penses? Ouais. T'es sûr que tu vas pas dormir à l'hôtel? T'inquiète pas. Là, tu as un coussin, tu as un plaid déjà. Qu'est-ce que tu me fous de plus? C'est ça, ça ma bonne. C'est ça qui est la nature. De l'eau. Un rasoir, un savon. Je peux bien. Il faut y aller, que tu prennes les clés, que je fasse la réservation, que je t'amène. Après, tu rentres quand tu veux, tu vois. Ouais, mais... parce que c'est bon. Vous avez la clé, vous rentrez quand vous voulez. Et la douche ici, hein. Ça va. Vous pouvez faire. C'est la douche. Hein. Ok, ça va, la douche est dehors. Ok, y a pas de problème. Ça va. C'est bon Kader, on fait comme ça? Tu nous attends ici? Bah ouais. C'est quoi? Tiens, ceci est ça. Oh, comme c'est bon. C'est bon, ne meurs pas. Hein. Non, oui. Il y a de la place, hein. Mais pas plus qu'une boîte. Une boîte par jour? Ouais, voilà. Ok, on te donne... Ça fait un peu moins petit, non? Ah ouais? Exactement. Hein. Pas beaucoup de gens comme ça, c'est clair. Non, franchement, sais. Des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, on a récolté 900 euros, on a acheté beaucoup de nourriture. Ouais, mais c'est bien, des sacs de couchage. Même pour les chiens et tout, tu as acheté ça. Franchement, je peux pas vous mentir.
c'est pas tout le monde qui fait ça. Même si les associations comme les Restos du Cœur et tout, ils aident les gens, tu vois, mais ils passent pas aux animaux. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui nous ont donné de l'argent. Vous avez le temps parce que asseyez-vous. Alors, il y a Caroline Solo Franzi, Gilles Martinique a donné 10 euros, Richard Gomez, Anto AVG, Sylvie Doromas, Bae Daniel, Chalopin Cédric, Le Grand Florence, Sébastien Delaunay, Benjamin Intelligent, t'inquiète. Julien Dao, Alexandre Couronne, Mylène, Vivi Poletto, Mélanie Durando, Anaïs Pérez, Christine Yebdry, Charlotte Couturier, Alain Dragon, Régine Stob qui a donné 250 euros, El Rachfert, Patricia Marin, Maxime Colo, Mélanie Laloux, Annette Maréchal, Melvin Baudet, Régine Stob, Olivier SC, Alain Bourguignon, Stéphanie Girard, Sophie Mailleux, Martine Ilali Thibault, Valérie Froyard, Marion Lebert, Jojo, Josiane Grimaudot, Poppy Michael, Kevin Marin, Christophe Gabé, Mélodie, Le Gall Annie, pardon, Patrice Poirier, Jules Colcol, Coco Gonzalez Brunel, Brigitte Mami, Marion Lebert, Sandra Alexio, Mickaël Kaby, Romain Rabal, Christophe Benoît, Guillaume Schutz, Dominique Mouchian, Xavier Ponce, Mathieu Pérez, Jessica Bassler, Natacha Gonzalez. Donc on a utilisé, je rappelle, 705 euros de dons pour la nourriture. Donc 180, ça c'est une nuit d'hôtel, d'accord? Une nuit d'hôtel pour deux. Voilà, donc ça c'est la première facture à 40 euros. Ok, tiens, c'est plein d'eau. Ça, alors là, il n'y avait pas la patronne. Donc, on a fait écrire ce bout de papier en guise de facture parce qu'il n'y avait pas la patronne, ils n'avaient pas de facturier. Voilà, il faut savoir qu'on était à Belzun, c'est quand même pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, et ça, c'était une chambre, enfin deux chambres qu'on a pris et il y a 4 personnes, 200 euros. Donc, ça fait 100 plus 40 plus 30. 100 plus 40 plus 30. 170, merci. Merci. Et donc sur les 180, après on a pris comment c'est garé le parking qui faisait un parking, 8,55€. Mais bref, dans tous les cas, ça fait le compte y est. Et on n'a pas pris 1 euro pour nous. Voilà. Donc si vous voulez nous rajouter, allez-y, c'est sur Snapchat, Kamoff, CAM-OFF. Et pour tous ceux qui soutiennent notre cause et pour en gros nous remercier d'avoir fait ce qu'on a fait, si vous voulez soutenir notre marque, n'hésitez pas à aller sur www.futuratech.com. Vous avez des casquettes, vous avez des t-shirts, il y a plusieurs tailles, plusieurs modèles. Il y a des modèles pour enfants et pour femmes. Et voilà. Il faut que je rajoute un truc. La page Kamoff, la mascotte, qui a atteint beaucoup de gens aujourd'hui, oui. Ça touche beaucoup de personnes. C'est vrai. 2600. Ce qui est beaucoup. Donc je vous dis rendez-vous à mercredi prochain, 18h comme d'habitude, pour une toute autre nouvelle vidéo où la mascotte sera la mascotte de la vidéo. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi. Et. Quoi, caméraman?